Le Loup Waterpolo dans la tourmente. Si sportivement, le club a réalisé un début de saison prometteur en National 1. En coulisses, rien ne va plus. 5 joueurs ont attaqué la direction au prud'homme. Motif, leur salaire ne serait plus versé depuis quelques mois. Ces joueurs-là particulièrement risquent aujourd'hui d'être expulsés parce que les salaires ne sont plus honorés par leur employeur. Donc nous, notre but, c'est qu'ils puissent être mis à l'abri et pouvoir jouir de leur salaire juste contrepartie de la prestation de travail qu'ils ont fournie à leur employeur. Julien Aspar, gardien de but du Loup Waterpolo, est à l'origine de cette démarche. Il souhaite que son club retrouve l'élite et ne comprend plus l'attitude de son président. On nous a demandé en tant que salariés du club de faire ce qu'il fallait au bord des bassins et dans le bassin. Donc nous, on remplit notre contrat. Voilà, maintenant le président, on ne sait pas exactement tout ce qu'il a à gérer. Donc c'est pour ça que nous, on se concentre sur notre travail et sûrement, lui doit se concentrer sur le sien. De son côté, André Hénu, le président, se dit surpris par cette affaire. Oui, son club connaît quelques difficultés financières et c'est justement pour cette raison que Julien Aspar aurait accepté il y a quelques mois de redevenir simple joueur bénévole. La seule solution pour essayer de préserver le projet qu'on a à long terme, c'est-à-dire de former qu'il y ait une équipe de waterpolo digne de ce nom-là sur Lyon, c'était que voilà, Julien Aspar passait en tant que bénévole, en tant que joueur, arrêtait son poste de directeur sportif. L'affaire a été renvoyée en référé au 27 février prochain. D'ici là, le Loup Waterpolo doit disputer 3 matchs de championnat. Le climat risque d'être tendu autour des bassins.